widzę. Bo ten chłopak nie tylko był na kolanach w kościele. Mieli tu się, jak mówią sami. Ale był też na kolanach w swoim życiu. Le weekend nous faisions des choses normales. My weekendy robiliśmy to, co zwykle. Oui, le weekend nous ne faisions pas des choses normales. On w weekendy nie robił rzeczy normalne. Il faisait des pèlerinages. Tylko chodził na pielgrzymki. Il travaillait avec des personnes handicapées gratuitement. Pracował za darmo z osobami pośledzonymi. Quand il me racontait tout ça, je pensais que je fumais trop fort. Kiedy mi to wszystko opowiadał, myślałem, że jest nieczkany. Et je disais, pourquoi tu travailles gratuitement? Pytałem go, czemu ty pracujesz za darmo? Il me dit, je fais ça pour Dieu. On mi mówił, robię to dla Boga. Je pensais qu'il disait des bêtises. Myślałem, że naprawdę wygaduje głupoty. La semaine d'avant, il m'avait dit, je priais pour toi. A wcześniej powiedział mi, modliłem się za ciebie. J'ai rien senti. A ja nic nie czułem. Mais toutes les semaines, je lui demandais quand même s'il avait prié pour moi. Alors, j'ai décidé d'aller voir si c'était vrai qu'il travaillait gratuitement avec des personnes handicapées. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes handicapées. Et c'est les premières personnes qui m'ont paru normales sur la terre. Un garçon handicapé m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, t'es gentil, toi. Et il m'a mis la main sur le cœur. Après, il m'a pris dans le bras. Elle m'a dit, tu viens manger avec nous. Et il m'a invité à manger. Il a pris une tomate farcie avec sa main et il a versé la tomate comme ça avec la main. J'ai bien aimé le voyage de la tomate. Si vous le voulez m'inviter depuis ce jour-là, j'aime la tomate farcie. Et à la fin du repas, il m'a gâté. Na końcu obiadu położył głowę na moim ramieniu. Et m'a dit, tu viens voir Jésus avec moi? I mówi, idziesz ze mną do Jezusa? Et je dis oui. Powiedziałam, że tak. Vous savez pourquoi? Wiecie dlaczego? J'ai travaillé avec un maçon portugais qui s'appelle Jésus. Pracowałem z portugalskim cieślą, on miał na imię Jezus. Je pensais qu'on allait voir un portugais. Więc myślałem, że idziemy do jakiegoś Portugalczyka. Quand les gens parlaient de Dieu, ils étaient toujours confrontés. Bo ludzie mówią, że było wcześniej bardzo długi, jak mówili ze twardzeniem. Il parlait d'un Dieu. Mówili o jakimś Bogu. Lui, il m'a dit, tu viens voir Jésus, comme si c'était un ami. A on powiedział, idziesz ze mną do Jezusa, jak mówił o przyjacielu. Et je ne me suis pas méfié. Więc niczego nie podejrzewałem. Et c'est comme ça que j'ai été invité pour la première fois dans une chapelle. W ten sposób mnie zaproszono pierwszy raz do kaplicy. Et ce jour-là, il y avait le Saint-Sacrement. Et Jésus était tout seul sur la croix. Et j'ai dit à tout le monde, Jésus sentait tout seul sur sa croix. Et tous les chrétiens m'ont fait chut. Alors j'ai regardé tous les chrétiens. Et j'ai trouvé qu'ils étaient tristes. Et j'ai dit, pourquoi ils sont tous tristes? Alors tout le monde fait chut. J'ai dit une troisième bêtise. Et on m'a pas fait chut. Et le seul qui ne m'a pas fait chut, c'était la personne qui avait le plus de problèmes pour parler. On avait même envie de lui donner des coups de pied au derrière pour qu'il aille plus vite pour parler. Elle m'a dit que les gens regardaient Jésus dans un truc blanc. Et quand tu n'es pas croyant, tu regardes tous les chrétiens qui te disent. Ils ont su comme c'est beau. Non, mais tu vois qu'ils sont tous différents. Ils ont tous des positions différentes pour regarder Jésus. Je me suis dit, s'ils voient Jésus dedans, je ne suis pas plus bête que vous. Alors j'ai invité trois rangées de chrétiens. Et à la troisième rangée, il y en a un qui fermait les yeux.
fermé les yeux et comme j'ai rallumé, j'ai vu quelqu'un qui faisait de la fumée partout. Et j'ai vu quelqu'un qui se sauvait avec Jésus. C'était la première fois que je voyais un prêtre. Qui était habillé comme une femme. Là. Dans l'église. Tout en blanc. Et il avait un tissu. Et il portait Jésus. Et je me suis dit, ça doit être chaud pour qu'il se protège les mains. Il est arrivé près du lumière. Et il a déposé Jésus comme si c'était une bombe qui allait exploser. Il a enfermé la double tour. Et il est parti avec la clé. Et tous les chrétiens sont partis très vite. Je n'ai rien compris. Alors je me suis approché. Et j'ai parlé à Jésus sur sa croix. J'ai dit Jésus, respect. Tu es chef de bande comme moi. Mais ta main choisit ta bande. Ils disent qu'ils t'aiment et ils t'enferment à double tour. Et ils s'en vont avec la clé. Et moi j'étais choqué dans le monde. Je n'ai jamais laissé un ami dormir toute seule avec une autre souffrir. Alors j'ai passé la nuit sur les marches de l'église. J'étais sûr que la bande à Jésus allait venir pendant la nuit. Pour passer du temps avec lui. Et c'est pour ça que j'attendais. Et je me suis endormi. Et le lendemain, j'étais réveillé par le sacristain. Qui a crié après moi. Qui m'a dit que je n'avais pas le droit de dormir dans l'église. Et il m'a dit que je n'avais pas le droit de dormir dans l'église.